Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo et là je voulais vous montrer tous les concepts voilà qui avaient été pris en photo, soi-disant ça allait être la nouvelle PS5, donc j'avais pris toutes ces photos, j'avais fait des recherches, j'ai zappé de faire cette vidéo, j'ai retrouvé dans mes fichiers ces photos. Et après avoir vu à quoi va vraiment ressembler la vraie PS5, je vous montrerai les images vers la fin. On tombe des nues quand on voit certains concepts. Donc il y avait 16 images qui devaient être la PS5. Et celle-là, c'est la plus ressemblante finalement parce qu'elle est un peu curvée. Il y a une plaque là, une plaque en dessous, le truc au milieu. C'est celle qui ressemble le plus. Après, il y a celle-là, rien à voir. Celle-là ressemble plutôt à la PS1. Voilà, ça aurait été une bonne idée voilà, de revenir aux sources, style un peu le design de la PS1 avec un truc rond. On appuyait là et puis on mettait le CD au milieu ici. Ça, c'était le lecteur de CD ici. Il y avait aussi cette version-là, soi-disant qu'il y aurait un écran sur la manette, mais c'est carrément faux, maintenant on le sait. Donc elle n'a pas ce design-là du tout. Mais c'est marrant de revoir. Là, il y a une autre... comme une tour ici, PS5 avec des manettes. Je vous montrerai la vraie après, ou ceux qui l'ont déjà vu, ils le savent que ça n'a rien à voir finalement. Il y a aussi celle-là. Là, on dirait carrément un truc de comment s'appelle la box SFR Internet là carrément. Là aussi encore un écran sur la manette, pas du tout crédible. Il y a aussi ça comme une Switch en fait. Vous voyez avec ça tu peux le brancher ici, tu peux en faire une manette, on va le voir dans les autres images. Voilà une console Switch en fait. Voilà là aussi ça reprend le design de la PS1 là, avec le cercle, appuyé sur le cercle, tu mettais le CD-ROM au milieu. C'est mes cousins qui l'avaient, moi j'avais la Nintendo 64, on m'avait offert la Nintendo. Là encore un écran sur la manette, pas du tout vrai. Voilà, c'est ça la manette style Switch, tu as ça au milieu, tu peux l'enlever et raccrocher à l'écran. Je crois qu'il y a d'autres images. Voilà, tu peux le diviser carrément. C'est marrant quand même avec le recul. Tu avais aussi ça, ça ressemble à un truc là, un émulateur PC, une sorte de console de PC. Un PC en console. Donc, pas du tout, rien à voir. T'as aussi cette version là avec un style, un gros bouton power, la manette qui aurait bien changé. Ça, cette version on l'a vu. Ça serait la nouvelle manette. Or, voilà, mais là carrément ils ont abusé là. Ils ont abusé dans la mitonnerie, dans le mitonnage. Carrément toute la manette c'est un écran. C'est pour être une idée à creuser une manette tactile. Voilà, ça comme le truc PC là, hein, comme la sorte de console PC, une sorte d'émulateur, je sais pas quoi. Là aussi, soi-disant la nouvelle manette, qu'ils auraient pris le truc comme la Xbox avec la croix directionnelle ici. Donc, ça change pas grand-chose qu'elle soit là ou là. J'ai essayé les deux versions. Voilà, j'ai pas ma manette sûrement. Voilà, ça c'est la version Switch, la PS5 Switch. Ils descendent. La Switch en 720p, c'est technologiquement c'est pas fort, mais ils ont des bons jeux et ça marche très bien, ça plaît. Comme quoi, il n'y a pas que la technologie qui marche, il y a aussi le plaisir du joueur, la conception des jeux. Ah, cette version aussi, elle est marrante. Vous voyez que les manettes qu'ils ont carrément changé, plus rien à voir les manettes. Mais non. Ouais, celle-là, on l'a déjà vu. Ça aussi, ouais. Console d'un côté mat, d'un côté brillant. Voilà, cette console est ressortie souvent et là ils ont mis la manette de la Raiju. Ça se voit que c'est des mythos, ils ont mis la manette la Raiju pour faire style, que faire croire que c'est la nouvelle manette PS5. Pff, ce concept aussi pas du tout. Le concept digital, PC digital. Voilà, la manette avec l'écran au milieu. Ça, c'est une autre version.
Là, la manette, c'est carrément la même, sauf qu'ils veulent faire croire que c'est un tactile ici, avec des LED sur les joysticks, tout ça, des LED partout sur les boutons. Là aussi, ils ont abusé. Et comme quoi, faut pas les croire toutes les fuites. Moi, je vérifie bien les sources, tout ça. Si je fais des vidéos fuites sur des prochains trucs qui vont sortir, surtout sur les téléphones, j'analyse bien, je lis des articles, tout ça. Alors là, c'était carrément encore une manette avec un écran. Qu'est-ce que c'est beaucoup sorti, ça, dans les rumeurs, comme quoi la prochaine PS5 serait avec un écran sur la manette. Et finalement, ça ressemble à ça. Le truc officiel qui est sorti de la conférence, c'est ça. Mais elle sera customisable, il me semble. Il y aura les LED, tu pourras changer les LED, voir les panneaux. Tu pourras changer pas mal de choses. Votre batterie vous lâche trop souvent ? Ah, une pub. Je suis au devant. C'est le moment de changer. Donc ça ressemblera à ça. Voilà. Ça, c'est la vraie PlayStation 5. Elle sera en précommande là, normalement, le 13 juillet. Je pense que je vais la précommander. Comme ça, je ferai plein de vidéos dessus. Tout ça, on s'éclatera. Je partagerai à ceux qui pourront pas s'acheter au début. Ils pourront voir un peu les jeux. Ils verront après quand elle baissera un peu de prix. Je faisais souvent ça. J'achetais que la console quand elle baissait de prix. Des fois. Quand je jouais plus, j'avais des époques où je jouais presque plus, je travaillais trop, j'avais plus le temps. Donc ouais, je dis celle-là, c'est celle qui se rapproche le plus parce qu'il y a un truc là et là. Regardez, comparé à celle-là, tac tac. Tiens, la musique est revenue. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.